vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une invitée très spéciale. T'es jamais venue sur ma chaîne? Jamais venue, je suis trop contente. Stiltonique, on sait pas comment t'appeler. Laure. Ou okay. Stilto, comme tu veux. C'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je suis grave contente. Je suis une grande fan, je suis trop contente. Quand j'ai reçu le message, je suis en mode yes. Non, moi je suis trop contente de ça. On a une confidence à vous faire, enfin tu as une confidence que je vais faire à ta place. Elle n'a jamais goûté KFC de sa vie. C'est pas normal, t'as jamais goûté un Tenders? Non, je sais pas la différence entre nuggets de McDo et Tenders de KFC. C'est pas pareil, c'est vrai qu'on a pas présenté Soki. Miss Soso, la vraie star de cette vidéo. Exactement. Pour ceux qui ont jamais vu les vidéos spicy sur ma chaîne, on va répondre à des questions très spicy, on a préparé chacune 5 questions. Hihi, j'ai trop hâte. Mini pause dans la vidéo pour vous parler d'Herborian. Et gros spoiler, je vous le dirai, j'ai un code promo qui vous offre un gua sha. Fallait que je vous le dise. Ils m'ont dit, écoute Andy, on veut que tu parles de nous en vidéo, mais choisis les produits que tu veux présenter. J'étais en mode... M'en dites pas plus. Mes deux produits préférés de tous les temps chez Herborian, je les ai même pas préparés, ils sont dans mon placard. C'est la crème Yuza Sorbet que je mets tous les matins, tous les soirs, avant le make-up, avant de dormir. Et la Skin Therapy qui est vraiment mon huile de nuit préférée de tous les temps. Genre je sais pas si un jour elle pourrait être remplacée par un autre produit, vraiment c'est impossible. Je vais déjà appliquer ma petite crème. Cette crème est absolument incroyable. Vous savez que j'aime trop avoir la peau ultra glowy. Celle-ci me fait une peau réveillée. Et vraiment, quand je la mets, les gens me complimentent. Ils me disent, mais waouh, t'as une peau glowy. C'est pas une crème épaisse, vous voyez, on dirait limite un petit gel. Mais ce que je déteste avec les gels, c'est que ça sèche sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, t'as l'impression de pas être hydratée après. Là, c'est super fin. C'est pas du tout épais. C'est incroyable sur la peau. Vraiment incroyable. Et bien sûr, la Skin Therapy qui est la star d'Herborian pour moi. Parce que cette gamme, même quand j'en parle à Herborian, ils me disent, mais waouh, genre, tu nous donnes carrément envie de l'utiliser. Pour moi, elle est sous-cotée, cette gamme. Mais la Skin Therapy, tout le monde la connaît et tout le monde l'adore. Il faut bien penser à secouer. C'est très, très très important. Ça, c'est une huile de nuit. Perso, j'applique vraiment une crème avant, quand j'ai pas la flemme. Et ils disent qu'il faut mettre 3 gouttes. J'aime bien mettre un peu plus. Je me rappellerai toujours de Herborian quand ils m'en avaient parlé. Avant que ça sorte même, je l'ai testé. Et un jour, on se voit et je leur dis, écoutez, c'est un truc de dingue, mais vraiment, quand tu l'appliques une fois, le lendemain, tu vois la différence. Ils étaient en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible, parce que le produit n'était pas encore sorti. Ils nous disaient que la campagne, vraiment, c'était résultat dès la première application. Ils étaient en mode, bah voilà. Ça fonctionne. Tu te réveilles le matin, t'as beaucoup plus bonne mine, la peau beaucoup plus douce, hydratée. Et surtout, très important, tous les petits boutons, perso ça apparaît sur le front, ici. Vous savez les petits boutons qui font qu'on a la peau granuleuse, même si c'est pas des gros boutons d'acné, même si je sais que c'est ultra efficace pour l'acné, enfin contre l'acné. Tout disparaît, c'est génial. Si jamais vous voulez commander des produits, vous avez moins 20% avec le code Andy sur le site Herborian. Et aussi dans la boutique à Opéra, si jamais vous êtes à Paris. Et à partir de 49€ d'achat, vous avez le gua sha offert. Et ça, si vous avez regardé ma dernière vidéo en plus, vous comprenez. Voilà, je vous laisse avec la vidéo parce que ça va être très spicy, comme la Skin Therapy, pleine de piment. Première sauce, nous avons la classique hot sauce. Ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est une sauce piquante. Sur l'échelle de Scoville, on est à 1600. Et c'est combien, le max? Ça va jusqu'à 1 000 000. Je vais pas te donner le chiffre exact, mais voilà. T'en sais rien. Je me rappelle que je vais pas te donner le chiffre exact. Je te laisse mettre ta dose et je recopierai ta dose. Ah non, faut que tu mettes direct sur ton Tenders. Ah pardon. Et des règles d'impression. C'est quoi la quantité qu'il faut, genre? Vas-y, mets-en, je te dis. Tu en as mis beaucoup, non? Non, là c'est bien. Je suis une sombre conne. Je suis une sombre conne, mais ça va. Je suis très stressée, j'ai hâte. Chin. J'ai peur. Non, ça va. Ça va? Ou c'est déjà chaud? Non, ça va. Ça pique, mais j'appréhende tellement que je me concentre grave. Ah, c'est bon, les tenders. Vas-y. Ok, c'est soft. Pour okay. Commencer, dernière question, tu vas mourir. Si tu devais choisir entre la musique et l'influence, que ferais-tu? T'es chiante. Est-ce que tu lâcherais ta communauté pour la musique? Dis la vraie vérité. Genre là, t'es obligé de choisir entre les deux. Pour pas le restant de ta vie. Ça me pique. T'as vu, ça pique. C'est bizarre, non? Non, c'est ça. Okay. Au fur et à mesure, tu sais, au début, tu croques en mode « Oh, ça va !» Puis après, tu meurs. La vraie vérité, c'est que j'aurais grave le seum. Mais je laisserais tomber la musique, je pense. Mais j'aurais vraiment le seum, parce que c'est ce qui m'excite de ouf, là, c'est la musique. Mais elle est lourde, parce qu'elle veut que foutre la merde. Ouais. Parce que et quand coup, je suis arrivée... Et du coup, si la musique, ça fonctionne extrêmement bien, et que tu fais quand que je suis... ça, non, mais quand est-ce que t'abandonnerais les gens qui te suivent depuis des années?
Tu les trahirais ou pas? Quand je suis arrivée, on en a parlé et j'ai dit je veux faire les deux. Mais là, tu m'imposes de choisir. Aujourd'hui, je choisis l'influence. Ok. Ok. Et c'est une bonne réponse de première question. Ok. Ouais, ok. Alors, prochaine question. T'es sûre que tu te trompes pas hein? Non. Dans la dernière vidéo, je me suis trompée. Mais là, j'ai tout revérifié. Nous avons là Tropicante. Ok, sympa, dans le nom. Ouais. Ça a l'air trop épais, tu vois. Oula, ça m'inspire vraiment. Mais il faut secouer, hein. Ah, ok. Vas-y, secoue. Oh, j'aime pas du tout l'odeur. Je la déteste. Ça sent le périmé, genre. Je suis la mort. La vraie vérité, normalement, je laisse les gens le découvrir. Moi, je trouve que les sauces, elles sont dégueulasses. Ah, bah, ça y est, elle se lâche. Non, mais franchement, faut dire la vérité, c'est pas bon. Genre, il y en a. La première, ça va, elle est bonne, c'est sauce piquante. Ouais, c'est bon. Il y a peut-être une autre qui est assez bonne, mais ça, ouais. Je trouve ça dégueulasse. Oula. Là, d'un coup, il j'ai déjà l'impression que ça me pique les coins de la bouche. Ah, putain, mais elle vérifie. Mais moi, je suis la plus grosse rageuse de ce monde. S'il n'y a pas exactement la même quantité, ça va. Je suis là pour taper un scandale sur les quantités. Non, c'est marrant, ça... Ah, ça arrive. C'est vraiment un long moment. Ok, ok, j'avoue. Cette sauce me donne la gerbe. Oh, c'est dégueulasse. Vraiment, ça pique, hein. Moi, j'aime vraiment trop gros morceau. Là. Donc c'est mélangé avec du bon saucé. Ouais. Une triche. Non, mais pas de problème. Ça pique, mais je l'ai mieux... Ah, mais ça pique après un peu. Ouais. Attends, en février, ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube. Est-ce que, avant que je te suive, parce que quand je t'ai suivi sur Insta, tu me suivais pas. Ouais. Est-ce que, avant que je te suive, t'avais regardé mes vidéos, écouté ma musique et tout? Je non. Pense que j'avais pas checké Insta. Et par contre, je te suivais sur YouTube, mais depuis longtemps. Genre à l'époque de... Wouh! Il y a longtemps, mais vraiment, c'est la vérité. Je croyais, je disais, j'avais mis, elle va bégayer, genre. Ah non, pas du tout. C'est une copine qui m'avait envoyé un screen, mais va savoir comment elle a vu. Mais elle a dit, Stilto te suit. J'étais en mode, vraiment? C'est ici, je la suis pas. Non, je savais qui t'étais. J'ai quitté parce que du coup, je t'ai follow instant sur Insta. Je me suis dit, ah ouais, je la suis pas sur Insta, je vais la suivre. Ok, ok. Voilà. Ça me va. Ok. Sauce 3. Sauce 3. La troisième, nous sommes à 15 000. On va à 60 000. La précédente, on était à 4 000. Ah, on prend 11 000. Ouais. Ok, elle s'appelle Pincorico. Ok, sympa. Tu fais comme ça quand tu la rides. Putain, j'ai l'impression que j'ai déjà mal au ventre, genre. Je crois que c'est le stress. C'est psychologique, hein, c'est du stress. Ça me bat. Ah, bah non. Non, non, tu peux pas me faire croire que ça va là. Genre. Non, j'avoue. Ah non, mais attends, toi t'as une couche vide, moi j'ai une couche épaisse. Vas-y, tu sais quoi, mais ça c'est la troisième, je suis déjà bourrée, bourrée. Toi t'es le genre de gens, tu sais, t'en donnes du faux alcool et tu te dis je suis complètement bourrée. Ouais, t'es ouf. Ok. C'est plus abusé, oh non. Hein? Est-ce que la technique c'est de manger vite ou pas? Non. Tu veux que ça aille dans ton estomac tout propre, tout prêt? C'est pire. Je sais pas. Ça va. Ça va. Ah, après ça picote. Mais ouais. Franchement, ça va. Ah, question, c'est à moi. Nous, ça se voit, on va oublier de faire une question ouais, à un moment, c'est grave. Sûr. Mais que pour manger. Suspense. Allez, j'ai peur. As-tu déjà eu une dispute avec un de tes collègues influenceurs? La réponse est oui. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai pas vraiment expliqué, je pense. Je me suis déjà embrouillée, je pense, il y a 4 ans avec Maya. Parce que moi, je faisais un stage chez Follow. Genre, j'étais influenceuse là-bas, mais je bossais et je bossais vraiment pour le coup. Et du Follow, coup, c'est ton agence. Ouais, pardon, Follow, c'est mon agence. En gros, à l'époque, Maya, elle avait un peu moins d'abonnés. Et moi, devant les personnes qui étaient proches de Maya au travail, j'avais dit, mais c'est fou que Maya et Danae soient payées le même prix, alors qu'à ce moment-là, Danae, elle avait peut-être genre, je dis au hasard, mais genre 800 000 et Maya 300 000. Et genre, moi, j'avais juste dit ça de manière innocente, en mode, bah, c'est marrant. Je pensais que quand t'as plus d'abonnés, t'es plus payé. Parce que normalement, c'était ça. Et en fait, ça avait été répété d'une autre manière à Maya. Sauf que du coup, Maya, ce qu'elle a entendu, c'est genre. C'est bizarre que tu sois autant payé qu'elle, tu mérites pas. Enfin, tu vois, alors tu connais ce qu'elle a juste dit. Et du coup, il y a eu commencé à avoir des froids en mode je t'ai plus invité à l'anniversaire de Maya, elle a invité tout le monde, des trucs comme ça. Donc, ça, c'était genre en novembre. Mm-hmm. On est parti avec l'agence à un voyage ski en février. Et genre, pareil, on se parlait toujours pas. Ah ça ouais? Ah, c'était une vraie embrouille. C'est une vraie embrouille. Ah, ok. Et quand je lui écrivais, elle était en mode, mais c'est facile de venir pleurer maintenant, genre des trucs, j'étais en mode oh my god. Et en février, on s'est pas cala, mais genre là pour le coup, elle était pas méchante avec moi, juste moi j'étais trop gênée. Ok. Parce que j'avais l'impression qu'elle allait me détester, elle était copine avec tout le monde et pas moi, et puis voilà. Et après, à Coachella, donc ça nous amène jusqu'en avril quand même. Ok. On s'est vu et genre j'étais avec Anna, on se disait, mais c'est quand même trop bizarre, genre il y a Léna, Maya, tout le monde, et genre moi je parle pas à Maya alors qu'à la base c'était ma copine. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée genre, est-ce qu'on peut parler? Après, on s'est raconté nos versions, on était en mode ok, il y a eu un misunderstanding. Voilà. Ok, et tout va bien. Ouais, elle est nulle en moi. Je suis
suis désolée. J'ai l'impression d'avoir pris 6 minutes, je sais pas combien de temps mais de votre temps. Et c'est bien parce que, en vrai, on peut pas se douter ce genre de choses parce que vous êtes grave copine avec ouais. Moi. Et après, oui, on est redevenu grave copine, même plus proche qu'avant. Comme quoi, parfois, ça vaut le coup de s'embrouiller. Comme quoi, parfois, ça vaut le coup de s'embrouiller, vraiment. Je répète, ok. Nous avons Los Calientes. Ils sont beaux les designs des bouteilles, je ouais, trouve. Ouais, grave. Et on était à 15 000, si je me trompe pas. Là, on passe à 33 000. Et on double à chaque fois, genre. My god. Même beaucoup plus après. Bon, je le fais peut-être un peu trop longtemps. Arrête de me sur... Tu filmes pas? Faut une double preuve. J'y vais doucement parce que j'ai peur, mais j'y vais. C'était vraiment... Oh stop. Parfait. Oh, oh my god. Non, c'est super. C'est super, c'est super. Non, ça me va. Putain, j'ai mal au ventre, je crois. J'ai peur. Mais... Ah, mais j'ai mes règles. Ben voilà. C'est pas le même mal de ventre, je confonds tout. Ah, c'est dégueulasse, on dirait de la colle. Mais arrête de me dégoûter, c'est déjà horrible. On dirait de la colle et des boyaux, alors. Tu sais que moi, je suis grave sensible à ça, je peux vomir, là. Ah, merde. Ça va. Ah non. Ce que j'ai à dire, attends un peu. Je crois que je suis très une spicy girl. Ah ouais. Ça va, non? Genre, je suis pas dans ça. Tous mes états. Est-ce que tu peux être dans un bad mood à cause des statistiques? La vérité de la vérité. Ok, ouais, mais j'ai l'impression beaucoup moins que les autres gens. Souvent, à des événements, même quand je discute avec d'autres copines ou potes influenceurs, je trouve que les gens parlent énormément des stats. Et du coup, je suis en mode... Ah ouais, moi, ça va du coup. Enfin, genre, si je me compare, j'ai l'impression de moins en parler que les autres. Mais parfois, ça m'affecte. Genre, quand je mets toute mon âme dans une vidéo... Et que ça fonctionne pas, je suis en mode oh non, genre qu'est-ce que j'ai fait de mal, je remets toute ma vie en question. Ouais. Et tout. Ça peut me faire grave perdre confiance en moi, alors okay. C'est complètement débile parce qu'il y a plein de choses qui peuvent jouer. Ouais. Mais moi, c'est surtout en fait dans les voyages presse. Les gens en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, genre ils sont posés à un dîner, mais en fait, je pense parce qu'ils se confient un peu. Ouais, ouais. Non, mais je juge pas parce que je sais que c'est grave dur, pas dans ce sens-là. Non, c'est juste que je me dis par rapport à peut-être d'autres personnes, pas tant que ça, tu vois. Mais dire que je suis pas affectée, c'est faux. Si j'étudie trop les stats, c'est ce qui va me faire autre chose que ce qu'il faut que je ouais, je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que je dois changer et je suis sûre que les gens regardent mes vidéos ouais. Parce que je suis normale, enfin moi-même. Ouais. Et je voudrais pas me changer par rapport à ça. Ok, la prochaine sauce, nous sommes à 46 000. Ça va. Ça va. Mais elle est terrifiante la sauce. C'est moi qui vibre là. Ouais. Tu veux que j'aille. Je sais pas si on entend. Je pense pas parce qu'on parle. Ça sent très bon. Ça sent la sauce de la pizza. Ah, j'ai abusé. Comment on fait? Bon. Bon. Mais est-ce qu'il pleut? Mais je comprends pas tes émotions. Ouais. Je te dis, je pense à un j'ai truc. J'ai trop du mal à suivre. Bah, ça coule pas là. T'es témoin. Je crois hein. Que c'est goutte par goutte. Ah merde! Vas-y, c'est bon. J'en ai mis beaucoup là. Si toi tu me dis c'est bon, j'en ai mis beaucoup en vrai. Hein. Mais ça s'est imprégné. Oh god. Franchement, meuf, là tu triches. Ah ouais? Ah ouais, j'avoue, t'en as plus. C'est obvious. Mais bon, après, ça sert à rien parce que tu vas pas aller jusqu'à là, genre, toi t'es tout fait. Ok. Je crois que je prends trop de poulet. C'est possible. Ah non, ça pique, c'est bon. Ah non, si ça pique là. Ouais, ça me pique. On a mis beaucoup. J'ai peur. J'ai l'impression que ça j'allais s'arrêter. Attends, là ça pique genre. Je vais prendre ma poudre, les amis, parce que je sens bien que je brille parce que ça me donne chaud. Mais t'es folle. Quoi? Elle est belle ta peau, elle est glowy. Je déteste, là mon front. Tu sais que je suis censée te poser une question là. Oui, après, vas-y. Ça a pu piquer. Ah, mais meuf, c'est de pire en pire, je crois. Fais ça. Non, moi c'est... Plus fort, fais... Ça te fait rien? T'es-tu déjà faite arnaquer en signant un contrat? Oh mince... Bah non... Non mais genre... non mais... Genre avec une marque en mode t'as appris que tout le monde était payé beaucoup plus ou un truc comme ça, tu vois. Je me suis jamais fait arnaquer de ouf, mais... Ça me défonce maintenant. T'as vu? Ouais. Il y a des sauces, c'est après. T'as vu? On dirait qu'on est un peu pompelle, genre. Et plus ça va aller, plus quand si tu prends un petit shot de vodka à chaque sauce. Ce que je voulais dire en plus. Oui, avant de signer... Enfin... Tu touches pas les yeux? Ah non. Quoi? Non, quoi? Ça va. Mais genre là, je décide, ça va. Genre, fais gaffe. Bien avant de signer chez Follow, même avant de vraiment comprendre ce que c'était l'influence et tout, vu que j'habitais à Lyon, je traînais pas trop avec des youtubeurs. Et une fois, je suis montée à Paris à un événement et j'ai rencontré, genre à l'époque, enfin, je les connais toujours, mais j'ai rencontré, tu vois, toute la bande Sullivan, Sunday, Jules, Clara Mars, Dana, etc. Et eux, ils étaient graves, ils étaient vraiment plus jeunes que moi, enfin vraiment. Vraiment la meuf à 50 ans. T'as quel âge? Arrête. Oh! 25, non mais
Tu me disais que si on avait 35 genre. Toi t'as 21. J'ai 22. 22. Ouais bah. On a 3 ans d'écart. Si, oui mais les 3 ans ils se sentent parce que tu rectifies en mode j'ai 22. Alors que moi si tu m'avais dit t'as 24, j'aurais dit ouais ouais. Je t'aurais pas dit non j'ai 25. Non mais ah ouais. Pourtant moi. Le franchement le cap des 25 il fout les boules. Je te jure, j'ai l'impression que j'ai 45 ans. Oui et du coup je me suis rendu compte, il parlait genre il gérait vraiment le business comme des petits chefs d'entreprise, bon pas les chefs d'entreprise mais genre il savait combien il valait et tout. Ok. Et je m'étais rendu compte que genre je me faisais un peu ouvrir. Mais j'ai pas d'exemple de, enfin ça. Ouais genre bah, des marques tu te faisais payer beaucoup moins cher que ce que ouais, hein, même les prix en général j'étais en mode mais ah bon mais moi je faisais même des trucs gratuits quand on m'envoyait. Ce qui est pas choquant mais quand je me rendais compte que personne le faisait gratuitement j'étais en mode ah mince j'avais pas compris. Ouais ok. Donc voilà. Sixième sauce. Là, on passe. Vous voyez, on a fait toute la première ligne. On passe à la deuxième ligne. Oula, oula. Elle a une sale gueule. Ah ouais, elle me plaît pas du tout. On était à 46 000. On passe à 69 000. Tu filmes. Oh putain, je suis trop nulle. Elle me fait peur. Franchement, je suis. Attends, très... je suis comme ça. Faire un selfie. Oh putain, meuf là. Oh, votre portrait. Je suis vieille à côté de toi. Ah, oh, ça me dit. Oh ah ouais. C'est l'odeur que je déteste. Moi, ça sent tout pareil. On dit. Je trouve que c'est cohérent. Franchement, on va pas. Ça va, on n'est pas trop mauvaise joueuse, non? Non, du tout. Regarde comme elle vérifie. Mais moi, s'il n'y a pas exactement la même quantité, ça va. Quoi? Quoi? Oh, meurs. Quoi? C'est sur ta langue directe. C'est partout. C'est partout. Sauf dans le poulet. Oh. Elle n'est qu'à oh my god. Oh my god. Oh, j'ai pas le droit? Si. Je vais petit souffle. C'est à moi? Je sais pas. J'ai un gros cœur. Tu sais que là, je pense sur moi pour pas vomir. Bah, vomir, ça fait des streams. Des streams. Parle comme une chanteuse, putain. Des vues. Est-ce que tu as de vrais amis dans le monde de l'influence? Par exemple. Enfin, pas par exemple, mais c'est lié. Ça me défonce la bouche. My god, dans la bouche. Je crois que ça gonfle, hein? Non. Si, je crois. Ah bon? Ça va me faire une réaction allergique. Elle va gonfler comme ça à la fin. Si ça tombe sur quelqu'un, c'est moi, ça. C'est ah ouais? Sûr. Donc voilà. Et par exemple, est-ce que quand je t'ai proposé de venir à mon anniversaire avec Jérémy, alors qu'en vrai, on s'était vu genre une fois ou deux, on se connaissait pas trop, est-ce que t'étais en mode trop bizarre? Mais vas-y, on y va, mais genre chelou. Pour ton anniversaire, je me suis pas du tout dit que c'était bizarre. Ah ouais? Parce qu'en vrai, on s'était pas beaucoup vu, mais déjà moi, sur... moi, je trouvais ça bizarre un peu. Mais j'étais en mode, ouais, mais ça me fait plaisir, genre. Bah ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Je me suis pas dit, genre, elle croit qu'on est amis, genre. Donc du coup, pour répondre à ta question, je m'entends pas non plus avec plein de gens. Pas que je m'entends pas ouais, c'est avec ce que les j'ai gens. Dit, j'allais dire à Jérémy, ouais. C'est juste que je pense que je suis un peu fermée. Non, je trouve pas que t'es fermée. Non, je suis pas fermée. C'est pas vrai, en événement, t'es souriante, tu papotes avec tout le monde. Non, non, mais je discute avec tout le monde, etc. Mais je pense que j'ai eu quelques déceptions qui font que naturellement, je me dis, ok, cette personne est cool. Et après, je me dis, mais il va forcément y avoir un red flag à un moment. Et genre, toi, bah, il y avait pas de red flag et genre, on était. Enfin, on s'entendait bien. Mais je pense que je suis un peu timide. Genre, je vais pas en proposer des trucs à des gens, etc. Parce que je me dis, ils vont croire que je gratte. Ah ouais, je comprends. Je suis grave comme ça. Voilà. T'as très bien répondu, c'est super. Okay. Bon bah il faut passer à la huitième hein. Là on était à 70 000, on passe à 103 000. Ça va hein, 130 000. You ready? No. On est bon là? Oui oui, parce qu'en vrai c'est de plus en plus fort, donc faut pas se mettre à faire des gros trucs maintenant, n'est-ce pas? Regarde comment je suis comme une grand-mère. Comment je tiens le téléphone. Allez, on y va, allez. Attends, on a inversé les rôles de vous. Ouais, vraiment. Ça n'a plus aucun sens. Ok, on y va, on est courageux. 1, 2, 3. Oh merde, ouais. Wow. Oh la vache. J'ai l'impression que ça me pique plus que d'habitude. Meuf, je vais jamais pouvoir en prendre pas de plus. L'ambiance de cette vidéo. Je crois qu'il faut qu'on mette moins. Ça fait très mal, j'ai l'impression que j'ai des trous qui sont en train de se créer dans ma gorge. La situation elle me tue, qu'on se fixe sans parler et on a de plus en plus chaud. Genre on était vraiment en silence depuis 2 minutes en train de se fixer. Moi ça me bat derrière la tête. Okay. Mais en fait j'ai l'impression que je suis en train de... ça fait fondre mes dents. Genre ça me pique. Ok, on sait que
dans l'influence, il peut y avoir beaucoup d'argent qui circule. Il y a un sujet, je trouve, qui n'est pas vraiment abordé, c'est que font les influenceurs de cet argent? Comment investis-tu ton argent des réseaux sociaux? Ou tu peux ne pas l'investir? Ouais, enfin, voilà, j'ai acheté un appartement. T'es contente? Je suis très contente, je trouve ça fou. Bah, j'ai un prêt, par contre, donc je rembourse tous les mois, mais c'est grâce à l'argent des réseaux. Trop bien. Et à côté, en fait, j'ai tellement peur que ça s'arrête que je mets quand même beaucoup de côté. Ouais, normal. Les gens, ils disent toujours, c'est quoi l'expression, genre, acheter dans les murs? Faut acheter de la pierre. La pierre. Ça se voit que non, on n'est pas des... Big brain. T'aimerais bien, ça serait un projet pour plus tard ou... Acheter un appart, ouais. En vrai, là, j'ai investi tout mon argent dans un truc. Bah, ça va bientôt. Mais après, ouais. Si je peux, un jour, je veux absolument acheter un appart. Mon rêve. Mes parents n'ont jamais pu acheter rien du tout. Et du coup, ils ont des loyers à payer et galèrent, etc. Et je sais que je veux vraiment acheter le plus jeune possible. Ouais. C'est le moment où on esquive un peu le... la prochaine étape. Non. On était à 103 000, on passe à 135 000. Ça va aller? Bah non, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Tu vas plus jamais revenir sur ma chaîne? Je vais plus jamais revenir ici tout court. Hein. Mais c'est pas possible, elle est congelée là. Mais en fait j'ai trop peur. Dans les yeux. Encore. Ça me dégoûte. Encore une petite chasse là. J'ai peur que ça me gicle dans les yeux. Ferme les yeux quand tu veux. Bah voilà, c'est tombé à côté, je vais faire... Hop, tiens, allez, à toi. Je peux gérer. Je pense que ça, je vais très mal le vivre. Ah ouais? Ouais, j'ai un feeling là. Oh my god. Désolé, j'ai un giga au cœur. Ça va mieux? Non. Moi, je peux pas avaler, quoi. Me cracher? Non! J'ai agir. Moi, c'est le goût le problème. Le goût, la tronche, je suis d'accord. Je me bave dessus! Même je me bave dessus, je contrôle plus rien! J'ai failli vomir. Genre, mon premier hold. Attends, là. Attends, ça va pas là. C'est horrible, je peux pas en prendre deux, tu sais, je vais pleurer, genre. Je pleure déjà. Plus je fais cette vidéo, moi je tiens, c'est pas normal. Faut que tu me poses la question. Si tu dois noter le physique de Soki sur 10, tu lui mets combien? Vite. 10 sur 10! Soki, elle est plus belle que toi. Oh waouh, c'est sorti très vite! Soki, bitch. Soki, c'est un peu mon enfant, même si je la vois jamais. En fait, je l'ai séduit dès le premier jour parce que on s'était vus au resto dans un café. Et genre, je donnais tous les trucs à manger, tous les trucs apéro, je donnais tout à Soki. Soki, montre à ta mère qu'on suit. Attends, elle a pas entendu. Rien? C'est rien. Elle est encore un peu timide de notre relation, elle vient de commencer donc. Regardez comment c'est un 10. Ça va tellement pas là, genre ça va plus là. C'est vrai? Je peux pas abandonner mais. Oh non mais moi. Tu te sens pas ivre un peu? Si. Tu sais, j'ai l'impression qu'en plus, genre je suis loin de chez moi, genre. Mais t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il est 4h du matin. Ça va aller. Mais meuf, on l'a déjà eu. Mais on s'est trompé. Mais t'as fait quoi? T'as fait un truc? T'es sûre que tu te trompes pas, hein? Non, dans la dernière vidéo, je me suis trompée. Mais là, j'ai tout revérifié. Merde, qu'est-ce qui se passe? Elle, on l'a eu, c'est celle qu'on vient de faire. Ah, mais attends, j'ai les vidéos. Ah ouais, on a fait la... On a fait la 9 sans s'en rendre compte, juste. En fait, on en est à 10. Ah, mais... ça serait génial. Moi, il me reste une question, toi, il t'en reste ou pas? Ah bah, si te reste une question, c'est que tout est bon. On est trop bêtes. Mais non, parce que c'est moi qui viens de te demander, Soki. On a fait de la merde. Ouais, grave. On a besoin d'une pause, je crois. Allez, ça y est, ça y est. Là, faut en finir. Il reste deux sauces. Là, faut en finir, genre, deux sauces, c'est rien. Oui, c'est horrible. Oui, c'est dur. Mais oui, on va le faire. Franchement, là, on dit, je t'adore, mais vraiment, je vais t'en mettre beaucoup, genre. Moi non plus. Ah ouais? T'es lourde. Comment je te force du regard, c'est atroce, on dirait que je te... Je peux pas plus. Ok. Non, je te jure, je peux pas plus. Non, attends, je voulais vérifier. Non mais d'accord, je vérifie. C'est bon, t'es prête? Allez, moi j'y vais d'un coup, un, deux, trois. Il faut que je pense à des trucs incroyables. Hein. Wouh. J'ai trouvé la technique. Tu bouges la main comme ça et tu te mâches très vite, très fort, très fort. Non mais... Fait que je prenne une grande inspiration. As-tu déjà fricoté avec un influenceur? Je suis sortie avec un influenceur. Elle fait tellement semblant d'être choquée. Les gens sont au courant? Les gens qui me suivent depuis longtemps sont au courant parce que je l'avais montré. C'était il y a du coup 6 ans. Oui, parce que ça fait 5 ans que je suis avec lui. Non, du coup, c'est à 5 ans et demi. Voilà,
sympa parce que franchement ça sent la même atrocité que les autres. Tu filmes? Mais tu l'as oublié à chaque fois. Doucement, doucement, parce qu'on doit mettre la même dose et moi, je sais pas pourquoi je tiens pas. Ouais, c'est liquide, fais gaffe, ça coule vite. Ah, t'en as trop mis, je crois. Ah, ça retombait quand t'as pas regardé. Oublie pas ma technique. Je ferme les yeux, tu croques très vite. Et je pense que ça marche. Ou alors j'ai eu un vrai coup de chance. C'est quoi, toi? Non, non, croque vite. Vite, vite, vite. Aïe, ah merde. Ça marche plus. Le goût, j'ai pas la gère pour une fois. C'est bon, fini. Plus j'attends pour avaler, plus je suis pas bien. Alors, je te préviens, elle pique. Au cas où t'avais pas remarqué, ça pique un peu. J'ai avalé un sacré regard. Ah ouais, la gorge. Ça fait très mal à la gorge, non? Mais t'as écrit en bas. Montre juste ta question, comment elle est. Parce que je veux choisir les bons mots et tout. En tant qu'influenceur, influenceuse, créateur de contenu, on gagne beaucoup d'argent d'une manière relativement facile. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te situes? Je gagne de l'argent, mais en vrai, je fais pas énormément de collabs. Enfin, je gagne de l'argent, mais je sais pas à quel niveau les gens s'imaginent. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, il y a plein de moments où je me dis c'est pas normal. Parce que, en fait, je sais pourquoi je gagne tel montant, par exemple, pour une sponsor YouTube. Je sais que si la marque me paye un montant, c'est parce que derrière, elle va gagner encore plus que ce montant. Quand tu prends du recul, quand tu penses à la télé, ce qu'ils payent pour les pubs. Ouais. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, on est au courant que c'est des grosses sommes quand même. Parce que même si là, je me pose, je me rends bien compte que, par exemple, ce qu'on gagne pour une story ou un truc, alors que ça prend pas de temps de faire une story, même si un brief et tout, ça, à la limite, c'est un peu compliqué, tu mets deux heures, mais vraiment max. Je sais plus pourquoi je disais ça du coup. J'ai oublié le fil. Bah, c'est la dernière fois que je te coupe. Parce que là, c'est vraiment le mauvais moment, genre. Bon, en gros, je me dis que c'est énormément d'argent. Je me dis aussi que une marque qui va me payer un certain montant, ils payent la rentabilité derrière, donc l'argent que ça leur rapporte, mais aussi pas le travail. Par exemple, quand je fais une sponsor genre de 1 minute 30, 2 minutes en début de vidéo, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que encore heureux qu'ils me payent pas pour les 1 minute 30 de travail. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Mais par contre, ils me payent aussi pour tout le travail que je fais, par exemple pour ma chaîne YouTube, le fait de poster des vidéos tout le temps, etc. Je pense qu'ils savent que ils payent aussi pour une bonne raison. Enfin, ouais, derrière, il y a du travail toute l'année sur ma chaîne. C'est pas genre je travaille pour cette. Mais après, le moment où en fait tu redescends sur terre, et clairement il faudrait que, enfin pour moi, il faudrait que tout le monde voit les choses comme ça, c'est que quand tu penses à des médecins, quand tu penses à plein de métiers qui sont très difficiles et qui sont juste obligatoires, sans eux on ne vit pas, tu te dis franchement faut profiter de la vie, parce qu'on a beaucoup de chance. De ouf. Moi ce qui me fait me rendre compte à chaque fois de, genre tu sais, si tu vois pas des gens qui sont en dehors du milieu, quand je parle avec mes copines qui font pas du tout ça, genre elles sont soit en stage, soit elles ont toutes commencé à dans le droit ou genre en agence de com et tout, genre là je suis en mode putain c'est fou, genre je peux pas penser que c'est normal, tu vois. Ouais, mais je pense que la clé c'est de juste fréquenter toujours les mêmes personnes que tu fréquentais avant les réseaux sociaux et compagnie, parce que sinon je pense que c'est grave facile de ne plus se rendre compte. Oui, genre tu penses que c'est normal. Ouais, moi enfin je vois mes parents galérer, je veux dire je peux pas être déconnectée, c'est impossible parce que je suis trop dedans, et surtout que les montants, alors certes j'utilise de l'argent pour me faire plaisir pour plein de choses, mais j'économise énormément, et ou alors je réinvestis directement dans les vidéos. Ouais. Genre par exemple les vidéos en Corée, les vidéos à New York, etc. Ça me coûte très très cher, mais j'ai aucun problème à faire parce que derrière je sais que je vais faire des putains de vidéos et que les gens ils vont être trop contents, donc c'est juste pour ça que j'ai fait quoi. Bravo, on a réussi sans vomir, sans je ne sais quoi. Franchement, pour moi la pire, bah c'est celle où on a échangé, mais je crois que je bave, genre de ce côté là j'ai l'impression que je suis ouverte et qu'elle la bave. Franchement, ça m'a fait grand plaisir de faire cette vidéo avec toi. Toi aussi, je vois. Moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. On est trop chelou, c'est bizarre. Puis c'est cool. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une outro? Bah, les commenter. Sociaux, toi. Vous voulez que je vous chante une chanson? Attends, tu veux chanter? Non. La fin de vidéo la plus cringe. On veut tous être le meilleur dresseur. On veut tous se montrer à la hauteur. On veut s'inquiéter rien. Tu chantes bien ou pas? Ouais, trop bien. Vas-y, bah chante une de mes chansons au pif. Je te jure que là j'ai oublié toutes tes chansons. Attends. J'adore ce que tu fais. Tu t'appelles comment déjà? Je te jure, attends, c'est très bien que j'ai écouté la musique. Je la mets même en story parfois. Ah bon? Ouais. J'ai jamais vu ça. Bon, dites-nous qui est-ce que vous voulez voir sur ce concept en commentaire, le prochain invité. Tu penses à quelqu'un ou pas? Bah, je vais dire mes copines, Maya ou Anna. Je prends note. Vous pouvez retrouver Laure, aka Stilto, sur tous les réseaux, même sur Spotify pour vous dire. Là, on peut pas aller plus loin que ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous.